Changer d'appareil, ça vous chauffe ? Choisir le meilleur combustible pour son appareil. Pour bien se chauffer, utilisez un bois de qualité. Comme lors de l'installation de votre appareil, faites appel à un professionnel qualifié pour choisir un combustible adapté à vos besoins. Il existe des labels pour garantir un bois de qualité. Le saviez-vous ? Un bois sec devra justifier d'un taux d'humidité de 20% maximum. Pensez à questionner le professionnel lors de la livraison. Si vous achetez votre bois au printemps, celui-ci est moins cher qu'en hiver. Mais quel bois choisir ? Ne brûlez que du bois sec. Achetez-le soit directement prêt à l'emploi, soit en le séchant vous-même dans un abri conçu à cet effet durant 18 mois minimum. Le bois souillé, peint ou verni ne se brûle pas et dégage des substances néfastes pour votre santé et pour l'environnement. Pensez à les déposer en déchetterie. Bien stocker son bois est indispensable, de préférence en extérieur, abrité et décollé du sol. Évitez les espaces clos comme les caves ou les garages. En revanche, ces espaces sont idéaux pour stocker les granulés. Comment reconnaître la bûche parfaite ? Elle est grisée en boue avec peu d'écorce et elle résonne lorsqu'on la frappe contre une autre. Bref, avec un bois sec, votre allumage sera plus facile et votre chauffage plus efficace. Pour en savoir plus, rendez-vous sur grenoblealpesmetropole.fr/primeairbois et participez à un atelier bonne pratique du chauffage au bois.